L'objectif est finalement le même qu'en Ligue des Champions pour Lyon. Jouer une finale au Stade de France. Lyon-Marseille, c'est le match des Olympiques. C'est aussi le match des gardiens de but entre Grégory Coupet et Fabien Barthez, sous les yeux du sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Lyon-Marseille à suivre en direct sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et David Astorga. Bonsoir à tous, une semaine après San Siro, une semaine après Milan, nous voici à Gerland pour un autre quart de finale après la Ligue des Champions, la Coupe de France, quart de finale entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Alors les Lyonnais depuis Milan ont quasiment obtenu un cinquième titre de champion consécutif. Leur rêve c'est de réussir le doublé, leur rêve c'est de gagner la Coupe de France. La dernière victoire pour Lyon c'était en 1973, finale gagnée contre Nantes. Et vous allez voir avec les deux capitaines, deux grands joueurs, Juninho d'un côté et Barthez, que du côté de Lyon, on a mis ce qui se faisait de mieux puisque Cachapa est un petit peu en retrait, il n'est même pas sur le banc des remplaçants. C'est la meilleure équipe actuelle que peut aligner Gérard Houllier avec Abidal. Le réveilleur a été préféré à Claire. Le trio du milieu de terrain, on le connaît, Juninho, Diarra, Thiago et Fred qui sera entouré à gauche de Malouda et à droite par Viltor. Du côté de Marseille également, on a pris les meilleurs, une équipe, une défense qui commence à trouver ses marques avec notamment Sivelli et Déhu en défense centrale. Un milieu de terrain, ça n'a un seul milieu de terrain récupérateur, Lamouchi en relayeur et toujours cette option assez offensive de Marseille avec Ribéry, Niang, Maouida et Pagis juste derrière. Ouais, c'est l'équipe qui s'était imposée à Nantes, hein, 3 buts à 1, qu'a remis aujourd'hui à Gerland Jean Fernandez, l'entraîneur de l'OM. L'arbitre sera monsieur Layek qui dirigera la finale de la Coupe de la Ligue. D'ailleurs, samedi 22 avril, l'arbitre, voilà monsieur Layek, c'est parti pour ce quart de finale de Coupe de France. Un ballon contre Sochaux, il avait été plusieurs fois dangereux. C'est Diarra qui a écarté le danger vers Wiltord. Ça va revenir de Bay. Il est pas hors jeu, Maouida, face à Grégory Coupé. Et le but de toi, Filou, Maouida. Ouais, parce que Niang, magnifique, mais Maouida a très bien joué le coup. Et voilà l'illustration parfaite du hors-jeu passif. Niang, ah, il est allé chercher sa petite étiquette, son petit élasto là, dans lequel il marque ses messages. Alors message. Un coup, c'était pour des enfants, un coup c'était non, pour Jean Fernandez, c'est Mamadou Niang. Hein. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il a dessus, son neveu? Oh, il va nous remontrer ça tout à l'heure, François Lano. Il a dû capturer. Viltor est parti, premier poteau. Ça va se jouer avec l'égalisation signée Fred. Le Brésilien, on vous le disait, les cheveux plus courts, les idées plus claires et l'efficacité retrouvée. Un plat du pied sur un ballon, encore un corner très bien frappé parce que le corner est fort, pas trop haut. On en parlera de tout ça dimanche dans Téléfoot après Automoto à 10h50, fin de la première période. C'est parti pour cette deuxième période avec Ribéry en retrait pour Teiwo. Un bon ballon pour Pagis, le 1-2 va fonctionner. Ribéry emmène son ballon devant Abidal, le centre pour alerter Niang. Niang et but. Mamadou Niang, superbe contre de l'Olympique de Marseille qui mène 2-1. Grand contre de Ribéry. Oh que c'est bien joué de la part ce 1-2 Pagis Ribéry. Et cette balle de Ribéry est absolument remarquable. À ce que vient de faire Ribéry. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Après, c'est vrai, il y a une mésentente. Qui a regardé Fabien Barthez, qui a regardé Grégory Coupet. Marseille, en tout cas qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Tout de suite, le droit de savoir sur TF1. Merci Jean-Michel, mardi prochain. Merci, Thierry. Le match des monstres européens en direct sur TF1 encore. Ce sera Milan. Barça. Bonne soirée. Bonsoir à tous.